fait, là, je suis végétarienne depuis pas longtemps. D'accord. Déjà, ouais. Donc, c'est vrai que ça fait réfléchir et... Bah, c'est choquant, quoi, mais il y a plein de gens, il y a plein de gens qui ont rien à faire et qui préfèrent avoir de la viande dans leur assiette, quoi qu'il arrive. Je vois la, le moment là où la vache elle est en pleine souffrance, je sais pas, ça donne envie de... Alors tu veux... Ouais. Moi je peux pas m'imaginer avoir ça dans mon assiette. Enfin, les gens ils disent, peut-être que les animaux ils ont pas l'intelligence qu'on a, ils doivent subir ça, mais au niveau du ressenti et de la souffrance c'est exactement la même chose. Les gens qui s'en foutent, ils vont se faire leur gueule et voilà. C'est dur de convaincre ses proches. Bah, je suis devenu végétarien du coup en fait il y a 3 ans et demi. D'accord. Mais bon, je dis pas que ça fait du bien de revoir ces images, mais ça permet de se rappeler quand même bah, pourquoi on fait quoi, justement, qu'il y a une vraie cause derrière quoi. Exactement, ouais. Et bon, ça pousse aussi à franchir l'étape peut-être du végétalisme aussi quelque part quoi. C'est-à-dire, bah, ce qu'on fait au porc, bah, c'est on continue à le faire, mais à quel point on est en végétarien quoi. Oui, je mange beaucoup moins de viande qu'avant. Après, c'est vrai, disons que le frein, c'est surtout socialement, disons quand c'est dans les repas familiaux, etc., c'est plus difficile. Moi, c'est la raison surtout pour laquelle je ne m'arrête pas. Mais oui, en tout cas, je restreins largement la consommation. Enfin, l'aspect à la chaîne quoi, qui est assez violent. Après, la question serait plutôt qu'est-ce qu'on n'a pas trouvé violent hein, dans votre oui. vidéo. Okay.